C'est Nessendil pour Horizon avec aujourd'hui une jolie légende concernant les chevaux. Il s'agit du coup de lance. Le coup de lance est une atrophie bénigne d'un muscle qui peut être présente dès la naissance. Le sabot du poulain appuie sur le muscle dans le ventre de la jument ou apparaît à la suite d'un coup important. On dit que les chevaux qui en présentent une sont particulièrement doués dans ce qu'ils font et sont exceptionnels. Selon l'une des trois légendes connues, cette marque provient du fait que le créateur est armé d'une lance, les chevaux braves passent devant lui et se prennent un coup de lance dans l'épaule ou l'encolure. A l'inverse, les chevaux qui ont cette marque sur la croupe ont fui par peur, ils sont donc peureux. Selon la deuxième légende, les chevaux présentant un coup de lance seraient les descendants d'un étalon très précieux, du temps des croisades, monté par Mahomet, et qui serait mort au combat, traversé de part et d'autre par une lance, d'où la présence d'un coup de lance à l'épaule et à la fesse. Selon la troisième légende, les coups de lance seraient causés par les combats. Les chevaux en présentant étaient les plus courageux et donc envoyés en première ligne. Voici pour cette petite légende. Si vous aimez ce genre de vidéo, je vous en ferai d'autres. Pour cela, n'hésitez pas à liker, ça m'aide beaucoup à voir ce que vous aimez au niveau des vidéos, vos préférés. Merci à Trois Cavaliers où j'ai trouvé cette petite légende sur Facebook. Je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde. Bye.